on enlève 4, a priori ça prend la cage. Mais sinon faut se mettre le... T'as pas le... Mais le picking, hein, tu vois, c'est pas de ça et tout. Ça t'arrive pile au bon moment. Il est où déjà? Ouais, ça commence dans 4 minutes. Le timing était, était bien. Alors, on t'a briefé sur ce qui allait se passer ou non? J'ai pas toutes les infos, mais d'après ce que j'ai compris. Le second que j'ai eu, c'est qu'il y avait deux combats. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il y a deux combats. Demain, c'est la grande journée, il y a 25 combats. Ok. En fait, ils ont... Regarde. Parce que moi, j'ai préparé plein de trucs, et finalement, comme il y a eu plein d'annulations, ils m'ont dit d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. A priori, les deux combats qu'on a, c'est ça, c'est Nelson Cassandé de la Jack Academy contre Wally Tandia. Ok. Monsieur, mettez les casques, on va faire des tests. Ok. Voilà, donc on aura deux combats. Ouais. Deux combats. Est-ce que vous m'entendez dans le casque? Moi, je vous entends. Moi, c'est bon, je vous entends. Ok, super. Vous m'entendez aussi les garçons? On t'entend très très bien. Alors juste, c'est Antoine. C'est Antoine. Et Cynthia. Et Cynthia. Cynthia Lauvergeon, Antoine Simon et... Gabriel Levent. Gabriel Levent. Gabriel Levent, donc je suis avec Gabriel Levent de Karaté Bushido. Et en fait, tu fais quoi à Karaté? Je viens juste d'arriver dans, dans l'équipe, on va dire, parce que j'ai fait une vidéo là avec, avec Greg. Ouais. Un article dans le magazine. Et, ah, tu viens d'arriver sur le... Ouais. D'accord. Et mais t'es dans le MMA depuis... En fait, je suis... Bah, j'ai Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct d'Evry-Courcouronnes au gymnase François Mauriac pour les finales du championnat de France de MMA amateur saison 2022-2023. J'ai à mes côtés Cynthia Lauvergeon, journaliste sportive et ancienne membre de l'équipe de France de boxe anglaise. Salut Cynthia. Salut Antoine, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super. Cynthia qui est une habituée hein, des compétitions de la FMMAF, qu'on a déjà fait plusieurs, et qui est également officie sur des galas de boxe, généralement. Et on a également à nos côtés Gabriel Levent. Alors c'est un ancien combattant professionnel, hein, mais c'était à l'époque où le MMA n'était pas encore légalisé, Gabriel, c'est ça? Bonjour Antoine. Bonjour. Donc Gabriel qui est aujourd'hui journaliste chez Karaté Bushido. Qui vient de faire d'ailleurs une formidable vidéo avec Greg MMA. Greg MMA qui va faire, je vous le rappelle, son grand retour à la compétition très prochainement à l'Hexagone MMA. Le 28 juillet. Le 28 juillet, exactement. Donc nous, on est là pour ces championnats de France de MMA amateur. La compétition est prévue sur deux jours. Et sur cette première journée, Cynthia, on aura très peu de combats.
Effectivement, Antoine, donc il y avait 7 combats de prévus en quart de finale aujourd'hui. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, des forfaits, des annulations. Donc aujourd'hui, on aura seulement 2 combats à commenter tous les 3. Donc un combat masculin chez les moins de 83,9 kg entre Nelson Kassandé de la Hatch Academy et Wally Tandia. Et un combat féminin, une finale hein, directement entre Delphine Benouiche, donc vice-championne de France, et opposée à Alexandra Marlier. Voilà, ce sera les 2 combats au programme aujourd'hui et on se retrouvera demain pour une très grosse journée parce qu'il me semble que le planning est beaucoup plus chargé. Tout à fait, demain on aura à peu près 25 combats, hein, donc ce sera les demi-finales et les finales masculines et féminines. Ah, donc on s'est entretenu un peu hein, avec les gens de la fédération, hein, toute la fédération française de MMA est présente ici pour ces championnats de France. Donc le planning c'était quoi Cynthia? C'était que sur la première journée on est les huitièmes de finale et les quarts de finale. C'est ça. Et sur la deuxième journée les demi-finales et les finales. C'est ça, tout à fait. Et j'ai l'impression qu'on va pas tarder à débuter cette journée avec le premier combat. Donc on vous le rappelle, hein, il n'y aura que 2 combats aujourd'hui. Un combat donc de quart de finale dans le tournoi masculin moins de 84 kg, catégorie middleweight, hein, vous la connaissez pour ceux qui suivent régulièrement le MMA. Et deuxième combat, donc ce sera une finale directement. C'est ça, une finale féminine. Et donc Gabriel, toi qui suis le MMA, qui pratique bien sûr depuis de nombreuses années, oui. Tu as vu l'évolution de ce sport oui. Avec le temps, surtout à l'époque où toi tu combattais, c'était les règles du pancrace. Hein, c'est ça, voilà. Pas de frappe au sol. Pas de frappe au sol, donc ça a beaucoup changé depuis. Et surtout depuis 2020, on voit un réel engouement pour ce sport, depuis la légalisation en fait. Voilà, on voit un essor complet du MMA. Avec une meilleure organisation, un meilleur encadrement, de plus en plus de promotions qui voient le jour, de très bonnes promotions. Et enfin, moi, en tant que fan, c'est juste un plaisir justement de voir ce sport grandir comme ça. Effectivement, on passe d'un sport de niche à un sport qui devient mainstream. D'ailleurs, tu peux en témoigner, Antoine, tu es très sollicité. La télé aussi s'intéresse beaucoup à cette nouvelle discipline en France. De plus en plus, effectivement, et je constate vraiment un essor. Il y a eu 2 choses hein, qui ont fait qu'il y a eu cet essor en France. Alors déjà, ça fait des années, hein, bien sûr, qu'il y a des combattants français qui malheureusement devaient s'illustrer en MMA à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de combat de MMA en France. Depuis 2020, donc il y a eu la légalisation du MMA en France et l'excellent travail d'ailleurs effectué par la Fédération française de MMA pour superviser, pour encadrer ce sport nouveau. Et à côté de ça, en parallèle, on a eu des champions qui ont émergé, notamment Cyril Gane, voilà, qui a été porté au nu, qui a combattu pour la ceinture de l'UFC, je vous le rappelle. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé par le passé. Donc la légalisation d'un côté plus la percée de certains combattants français de l'autre, eh ben, on a tous les ingrédients réunis pour que le sport perce en France. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui arrive en ce moment. On a pu voir ça avec justement la performance de Benoît Saint-Denis au dernier UFC. Qui a mis la lumière voilà, sur les combattants français, qui a mis la lumière dans le regard de Dana White aussi apparemment. Donc, Mais toi Gabriel qui t'entraîne et qui a combattu hein, à l'époque, et il y a plus de 10 ans de ça maintenant, ouais. En fait on le sait nous, on a toujours eu de très bons combattants en France. Ouais. C'est juste que la plupart n'ont pas eu l'exposition qu'ils méritaient et la plupart également n'ont pas pu profiter de ce circuit amateur qui leur aurait permis peut-être d'acquérir un peu plus d'expérience, de ne pas être jeté directement dans le grand bain. Donc certains combattants français ont eu des carrières un peu, je vais pas dire gâchées, mais en dents de scie, on va dire. Voilà, en dents de scie, à cause de ça justement, et ouais. Tout ça s'est amené à changer. Bah justement par rapport, avec le parcours amateur, ils vont pouvoir faire leurs armes avant de passer justement dans le circuit professionnel. Donc même s'il y a des défaites au compteur, entre guillemets, ce n'est pas grave, ce n'est que de l'expérience. Effectivement, et puis il y a aussi, monsieur, des règles qui changent entre le MMA professionnel et le MMA amateur, à savoir que les mitaines sont plus épaisses oui. En amateur. Il y a aussi des protèges tibias. Le format du combat, c'est 3 fois 3 minutes. C'est ça, 3 fois 3 minutes. C'est ce qui différencie principalement en fait, hein, les combats amateurs des combats professionnels. Et il me semble qu'en France, on n'a pas le droit d'utiliser les coups de coude. Oui, pas de coups de coude. C'est ça, pas de coups de coude, oui. Et puis aussi, certaines soumissions sont interdites. Oui, alors ça c'est un peu comme sur les compétitions de jiu-jitsu brésilien. On sait hein, qu'il y a des clés en rotation. Les clés de nuque déjà de toute manière étaient interdites même chez les pros. Mais les clés en rotation, donc les clés de talon en général, tout ce qui va sortir le genou, des choses comme ça, bah, on essaie d'éviter si possible. C'est dommage hein, de se gâcher une belle carrière à venir.
Et encore l'avantage aussi hein, pour nous de suivre ces championnats de France, bah, c'est qu'on va découvrir les jeunes talents de demain. Le MMA français de demain. Alors de plus en plus de combattants passent par le circuit amateur. Et on peut citer d'ailleurs des grands noms du MMA français actuel qui sont passés par le circuit amateur. Et je pense notamment à notre plus fière représentante, Manon Fiorot, qui va combattre à l'UFC Paris le 2 septembre et qui a été championne du monde amateur de l'IMAF. Exactement. Et c'était une très grosse performance, ça, Antoine. Le niveau est extrêmement relevé à l'IMAF. Et chaque année, en plus, le niveau augmente. Hein. D'ailleurs, on va voir, d'ailleurs, sur les deux jours de compétition ici à Évry, plusieurs combattants qui ont participé au championnat d'Europe et au dernier championnat du monde de l'IMAF avec des résultats plus ou moins mitigés. Maintenant, effectivement, repartir avec une médaille d'or à l'IMAF, je pense que c'est un plus. Et puis, j'ai remarqué également qu'il y a beaucoup d'organisations à travers le monde qui vont tout de suite repérer ces jeunes talents pour les signer avant même qu'ils aient débuté chez les pros. J'avais pu constater l'an passé avec le Combatté Global, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. Oui, à Miami. Oui. À Miami, en Floride, exactement, qui vraiment se focalise sur les combattants latins. Mm-hmm. Voilà, donc beaucoup de combattants mexicains, sud-américains. Et ils allaient piocher directement sur le circuit amateur. En fait, dès qu'il y avait un Irlandais qui perçait, qui est devenu champion du monde, ils le signaient en pro avant même qu'il ait fait ses débuts pro. Mais on a aussi deux belles représentantes françaises au Combatté Global. On a Claire Lopez. Claire Lopez qui cartonne en ce moment. Ouais. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, on va en parler là juste après. Ouais. Et Jade Jorin. Et Jade Jorin qui a fait un super combat sur sa dernière sortie, une guerre mémorable. Maintenant, c'est ce que recherche aussi le Combatté Global. Et ça aussi, c'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte dans l'évolution du MMA aujourd'hui. C'est-à-dire que les règles changent, les stratégies changent, évoluent. Et j'ai l'impression que de plus en plus, aujourd'hui, on essaie de privilégier le spectacle. C'est ça, donc les phases de striking valent mieux aujourd'hui, Antoine, que les phases par le sol. Passé. Alors que par le passé, une amenée au sol dans un round, vous gagnez le round. Alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc ça, on vous expliquer ça en voyant tous ces combats. J'ai l'impression que le premier combattant vient de faire son entrée. C'est ça. Nelson Cassende. 33 ans, de la Hatch Academy. Donc l'équipe de Stéphane Hatch, Chauffourier, lui aussi hein, très actif sur le circuit du MMA français. Déjà à l'époque du Pancrace, hein, parce que la principale organisation de Pancrace en France, c'était le 100% Fight. L'événement de Stéphane Hatch, Chauffourier, qui a créé par la suite les Contenders. Et le Road to the Contenders, qui est la compétition amateur de Pancrace, qui existe toujours d'ailleurs, le Road, hein, puisque certains combattants qu'on va voir aujourd'hui ont participé au Road, notamment Nelson Cassende, qui a participé à la 9e édition du Road to the Contenders le 27 mai dernier. Et Nelson, donc ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui a terminé premier en championnat de France en no-gi cette année, en black belt adulte. Et qui avait d'ailleurs remporté également l'Open d'Île-de-France hein, en décembre 2022. Donc un combattant prometteur, et on le sait, à la Hatch Academy, tous les combattants sont bien entourés. Il y a beaucoup de combattants pros qui vous permettent d'évoluer, de progresser. Et je pense notamment à Fer de Lance de l'Académie, Saladin Parnasse, double champion du KSW. Face à lui... On a Wally Tandia, il n'a que 21 ans, représente la Team Zodiac, donc une équipe assez méconnue. Il y a beaucoup de clubs d'ailleurs hein, représentés sur cette compétition, venus voilà, de différentes régions de France, des clubs du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, un peu partout en fait. Donc Wally qui est sur un palmarès de 4 victoires pour 2 défaites, et Nelson 11 victoires pour 3 défaites, donc un peu plus d'expérience hein, pour Nelson. Nelson plus âgé surtout aussi, hein, 33 ans contre 21, il y a 12 ans d'écart entre les deux, allez c'est parti. Donc vous l'a dit, 3 rounds de 3 minutes. On a Nelson dans le coin rouge et Wally dans le coin bleu. On essaie de venir tout de suite au contact. Elle travaille contre la cage. Nelson met la pression. Là donc Nelson qui cherche à amener le combat au sol. Hein. Il a crocheté une jambe, il essaie de ramasser les deux jambes. Finalement, il passe sur un single leg, donc simple ramassement de jambes. Wally qui défend bien avec l'underhook. Donc là, vous l'aurez compris, hein, on a d'un côté Nelson qui est à l'offensive, Wally qui est en défense. Donc là, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Il y a du blocage de la part de Wally qui tient bon. Mais les juges vont quand même considérer voilà, que c'est Nelson qui domine, parce que c'est lui qui presse. D'ailleurs, il a réussi son amener au sol. Et regardez comment il progresse tout doucement. Donc il a bien isolé hein, les deux jambes de son adversaire.
On essaie de lui supprimer les appuis hein, pour l'empêcher de remonter. Malgré tout, Wally a remonté sur ses appuis. Il est debout. Le bras à l'intérieur pour Wally. Donc on entend beaucoup de supporters hein, dans les gradins hein, crier des conseils aux combattants. Je suis pas sûr que les combattants puissent interpréter tout ça. En plus, il y a leur coach juste à côté. Allez, rupture de contact. Et ça repart. Wally qui met la pression. Il a raison, il faut le faire payer hein, son adversaire. C'est-à-dire que c'est lui qui a dominé la première partie du round avec ses contrôles. Et on vous le rappelle, hein, aujourd'hui on privilégie davantage les phases de striking et les dégâts occasionnés. Et donc Wally peut très bien refaire son retard assez rapidement. Et regardez, il est prudent, il reste à distance. Et surtout qu'il a la supériorité. Il est plus grand hein, que Nelson. Ouais, il a plus d'allonge. Tout à fait. Et regardez, hein, dès qu'il peut, Nelson, il vient coller son adversaire. Il est en contact au corps à corps directement. Bon crochet en sortie. Alors, c'est un bon travail. Ouais, le coup de genou au corps. Donc c'est un bon travail hein, de Wally en fait qui cadrait son adversaire, qui l'acculait contre le grillage. On sait que lorsque vous faites face à un adversaire qui veut vous amener au sol, un lutteur en général ou un grappleur, bah, mieux vaut le mettre sur le reculoir, il aura moins d'armes à mettre en avant pour vous amener au sol. Et regardez hein, Nelson qui a du mal hein, quand même, il arrive à le coller. Il continue sur la single leg. Ouais. Mais le problème dans ce genre de situation, c'est qu'il essaye, donc effectivement il a l'offensive, mais il ne parvient pas amener son adversaire au sol et dans le même temps il n'occasionne pas de dégâts. Voilà, fin de journée. Donc ce que j'en pense, je vous donne mon avis, hein, vous dites ce que vous en pensez aussi. Mais d'un côté on a Nelson qui a pressé en lutte, donc il y a eu du temps de contrôle contre la cage notamment, donc du temps de contrôle à mettre à son crédit. Mais à côté de ça, dès qu'il y a une rupture de contact, on a Wally qui a puni son adversaire avec les coups, bon qui a occasionné du dégât. Donc je ne sais pas comment les juges vont interpréter tout ça, hein, les juges bien sûr de la Fédération Française de MMA qui sont... Alors ça c'est aussi l'une des difficultés hein, de scorer ce sport parce que les règles évoluent constamment, il faut suivre à la fois le règlement mais avoir aussi une interprétation personnelle. C'est ça, c'est à l'appréciation de chaque juge, tout à fait. Parce que certains juges vont considérer que des coups portés vont scorer mais d'autres juges vont dire non, le coup a porté mais il n'y avait pas d'impact donc il y a peut-être... Voilà, on va privilégier l'efficacité hein, des coups. Alors on voit... quelques highlights de ce premier round. Donc des rounds de 3 minutes, je vous le rappelle. Les mêmes règles pour un MMA pro, sauf que voilà, vous le voyez hein, au niveau des mitaines. Cynthia en parlait tout à l'heure. Hein, les mitaines sont plus épaisses, donc qui occasionnent probablement moins de dégâts. Du moins, moins de dégâts en surface. Hein, parce que c'est ça aussi la particularité des gants de MMA, c'est que comme ils sont très fins, ça prend plus de coupures. Travaille à distance avec des low kicks. C'est ça, low kick intérieur. Hein. Il a tout intérêt à rester à distance, Wally. Le jeu est ouvert, hein, debout. Donc il y a des coups qui rentrent hein, d'un côté comme de l'autre. Maintenant, regardez, c'est Wally Tandia du Team Zodiac qui a le centre de la cage. Ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Parce que s'il n'y a pas de dégâts occasionnés ni d'un côté ni de l'autre, eh ben, c'est l'agressivité et le cage control qui vont entrer en compte. Et là, en l'occurrence, c'est pour Wally, hein. C'est lui qui a le centre. Ah, regardez, une attaque à nouveau en lutte. Bon genou. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais j'ai l'impression en fait que Nelson, il a dévoilé son jeu dès le début du combat, en voulant attaquer tout de suite en lutte. Et Wally a bien compris ça, il a réussi à défendre la première fois, et maintenant, toutes les nouvelles attaques de Nelson, il les voit arriver. C'est ça, il les contre. Une belle défense de Wally. Effectivement, il va amener le combat au sol, Nelson. Mais le problème, c'est que tant qu'il ne l'amène pas et tant qu'il ne frappe pas derrière, eh ben, je pense que les points qu'il va scorer vont être quand même assez limités. Eh, ça y est, l'amener au sol a réussi. Belle projection de hanche, il se retrouve dans la demi-garde. Donc avec une jambe prise entre les jambes de son adversaire. Oui, il essaie de recomposer. Magnifique. Il va reprendre la garde. Ah, donc il récupère son adversaire entre ses jambes. Donc là, typiquement, on vous parlait hein, tout à l'heure de ces fameuses clés qui sont interdites et... on peut voir Wally. Et t'en sais quelque chose, hein, Gabriel, ouais. Là dans cette position, on aurait tendance à vouloir partir peut-être en clé de talon. On sait qu'en grappling, on le fait beaucoup quand la garde est ouverte comme ça. Ouais. Donc là, il va en profiter bah, voilà, pour passer la demi-garde.
parce que c'est un risque après quand on ouvre la garde justement de se faire passer, mais si on veut se relever il va falloir ouvrir la garde au bout d'un moment. Oui, parce qu'en fermant la garde en fait on ferme le jeu également. Exactement. Alors maintenant on connaît des combattants qui sont très agressifs sur le dos, qui ont une garde très offensive, mais c'est des combattants qui ont confiance en leur sol. Là par contre, regardez la différence avec tout à l'heure, c'est que Nelson a réussi à amener le combat au sol. Il a une position de contrôle dominante, il est dans la demi-garde mais au-dessus. Et il frappe, donc il occasionne des dégâts. Donc là en fait l'avantage qu'il avait pu prendre au début avec ses temps de contrôle est validé maintenant avec ses dégâts. Il vient de passer en position montée. Voilà, ça c'est une position très très forte en MMA, vous le savez. Il va prendre un peu de distance pour frapper. Et là il faut une défense cohérente hein, de la part de Wally. Donc Wally qui essaie de limiter la casse, regardez, il s'accroche, il ponte pour essayer de renverser. Allez, il va peut-être tenir 10 secondes. Nelson avec une petite accélération qui aurait pu, je pense, inciter l'arbitre à arrêter. Donc, très bon deuxième round hein, pour Nelson Cassandé qui est bien revenu. Hein. Même s'il n'avait pas été si dominé que ça dans le premier. Hein, le premier round était quand même très serré. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs à qui. Très serré, justement, c'est sur cette deuxième reprise qui marque un peu plus la différence, Nelson. Malgré tout, on vous rappelle hein, que les rounds sont scorés les uns après les autres. Donc les juges ne peuvent pas revenir non plus sur ce qu'ils ont eu dans le premier round. S'ils ont estimé que l'un avait dominé sur le premier et qu'ils estiment finalement avec du recul qu'ils s'étaient trompés, ben, c'est trop tard. Donc minute de pause. Récupération, les consignes données par les hommes de coin. Et on va repartir. Alors on vous rappelle, hein, le vainqueur de ce combat, bah on le retrouvera demain pour les demi-finales de ce tournoi masculin moins de 84 kilos. Donc les catégories représentées, on n'en a pas parlé hein, sur cette compétition, bah ce sont les mêmes hein, que vous retrouvez à l'UFC. Donc 8 catégories masculines. Il me semble qu'il n'y a pas de catégorie poids lourd hein, sur cette compétition. Donc 7 catégories masculines. Et 4 catégories féminines, même s'il me semble que dans la catégorie featherweight féminine, il n'y a qu'une combattante inscrite pour l'instant. On va pouvoir Wally qui a repris le centre de la cage. Il met un gros pressing sur Nelson. Encore une fois, il a raison de le faire. Il doit faire payer son adversaire pour cette fin de deuxième round qui n'était pas du tout à son avantage. Nelson qui a l'air d'accuser le coup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a besoin de récupérer un peu. Il faut dire que les phases de lutte sont très coûteuses en énergie. Et lui a beaucoup donné. Notamment au premier round, justement, il a réussi à pas son amener au sol. Et là, il accélère. Il est en train de lui marcher dessus, hein, littéralement, Wally Tandia. C'est ça, et Nelson qui récupère hein, toujours de ses deux premiers rounds. Alors maintenant, ça peut être une stratégie également pour Nelson. Hein, et peut-être qu'il considère avoir remporté les deux premiers rounds. Et dans ce cas-là, il peut se permettre de dégrainer le temps dans le troisième. Maintenant, attention quand même aux dégâts pris. Mais il vaut mieux faire son troisième round à fond parce que c'est quand même très serré, hein, les deux premières reprises. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on n'est jamais sûr de ce que les juges ont vu. Et moi, personnellement, je verrai un round partout et je pense que ce round sera décisif, justement. Très bon cross pour Wally. Et encore une fois, Wally qui utilise bien son avantage d'allonge sur son adversaire. Beaucoup plus de volume en pied-point. Ah ben là, il est en train de le noyer. Hein. Alors, la chance de Nelson, hein, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus sur du travail de sap et de scoring. Parce que je vois pas non plus de coups très appuyés du côté de Wally, des coups destinés à mettre KO son adversaire. Maintenant, il peut l'étouffer sous une pluie de coups. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de combattants qui utilisent ce genre de stratégie en MMA. Je pense notamment à Max Holloway. On peut voir un bon timing sur le crochet justement de Wally. Nelson qui est descendu dans les jambes directement. Est-ce qu'il va aller au bout? C'est très important hein, pour Nelson de réussir cette année au sol. Et c'est très important, vous l'aurez compris, pour Wally de rester debout, hein, de ne pas se faire amener au sol. Donc là, Wally qui écarte ses jambes pour pas que Nelson vienne récupérer ses deux mains. Ben ça, c'est le risque hein, lorsqu'un lutteur vous attaque et qu'il rejoint ses deux mains derrière vos cuisses ou derrière les fesses. A priori, vous allez au sol. La bonne sortie. Sur Nelson, plus fatigué que Wally.
Allez, encore une fois, ça c'est lié au travail en lutte, hein, effectué dans les deux premiers rounds. Je vous rappelle qu'il n'est pas à 100% de réussite, hein, sur ses amenés au sol, Nelson. Il y en a beaucoup qui ont échoué. Et là pour les dernières secondes, non, bon sprawl. Il va terminer fort. Le dernier round sera nettement à l'avantage de Wally Tandia. Le premier round, en fait c'est le premier round qui va faire la différence sur ce combat. Parce qu'on est d'accord sur le deuxième, on est d'accord sur le troisième. Et sur le premier, encore une fois, moi j'ai envie de privilégier les dégâts occasionnés par Wally. Parce qu'il y a eu du temps de contrôle effectivement à mettre au crédit Nelson. Mais il n'a pas été en réussite sur ses amenés au sol, notamment dans le premier round. Nelson qui a été aussi plus offensif sur le premier round. Est-ce que ça va jouer? Ouais, c'est dans les phases de striking en fait. Et encore une fois, pour moi, c'est ce qui va faire la différence. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des contrôles intéressants dans le premier round pour Nelson, mais il n'a pas réussi à amener au sol. Et à côté de ça, dès qu'il y a une phase de rupture, eh ben, c'est Wally qui s'est montré le plus agressif. Encore une fois, les critères de jugement, on vous les rappelle, hein, c'est tout d'abord le striking et le grappling, donc les phases de combat debout, les phases de combat au sol. Si on n'arrive pas à départager les deux combattants sur ces, ces premiers critères, vient ensuite l'agressivité. Et enfin, le cage control. Donc là, c'est vraiment s'il ne se passe rien, bah, on va privilégier celui qui est au centre ou celui qui presse son adversaire, qui avance sur son adversaire tout simplement. Trois rounds de 3 minutes. Le vainqueur qui sera qualifié pour les demi-finales de ce tournoi masculin moins de 84 kg. Les demi-finales et finales qui auront lieu demain. Combat difficile à scorer quand même. Et le coin rouge donc qui s'impose. C'est lui aussi qui a terminé le plus fort. C'est exactement ça. Ça compte aussi, hein, la dernière image que les juges gardent en tête. C'est ça. L'attitude compte aussi, messieurs. Ouais. L'attitude, il paraissait fatigué, Nelson. Ouais. Moins offensif. Maintenant, encore une fois, hein, les rounds sont scorés les uns après les autres. Et donc, c'est difficile parfois pour un juge qui a eu peut-être une erreur de jugement sur le premier round de corriger par la suite. Maintenant, là, il n'y avait pas de round 18. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, on est sur du 19-19. Oui, c'est serré. Oui. Voilà. Mais c'est une belle performance, hein, de la part de Wally Tandia. Seulement 21 ans, oui. Et puis encore une fois, hein, tout ça, c'est de l'expérience acquise pour la suite de leur carrière. Et puis c'est déjà de l'expérience acquise pour demain. Parce qu'il a fait 9 minutes aujourd'hui, il était au bout des 3 rounds. Donc il sait un peu comment gérer son cardio sur 3 rounds. Ah, donc premier combat de ces championnats de France de MMA amateur saison 2022-2023 en direct du gymnase François Mauriac. D'Evry Courcouronnes et je trouvais ça intéressant, hein, parce qu'on a des combattants avec très peu d'expérience qui malgré tout ont une certaine connaissance du sport et on a vu quelques techniques assez intéressantes. C'est ça, et puis la FMMAF est particulièrement impliquée pour faire monter ce MMA amateur en France, donc propose divers événements comme la MMA League. Donc il y a eu 6 étapes cette année, ça a commencé en décembre, il y a eu une étape chaque mois. Et là on se retrouve sur la 7e étape, donc qui sont les phases finales de ce championnat de France amateur. Donc c'est l'aboutissement en fait, hein, de toute une saison, vous l'aurez compris. Après tout le monde part en vacances, hein, c'est bien ça. Ouais. Sauf Greg MMA qui combat le 28, il y a encore d'autres événements. Alors, hein, il y a des événements effectivement qui sont organisés cet été. D'ailleurs le MMA ne s'arrête jamais. Hein. C'est d'ailleurs le seul sport, je dirais, au monde, l'un des seuls sports au monde où il y a des combats tout le temps. C'est ça. Et même les principales ligues, en fait, ne font pas de saison. En fait, c'est tous les week-ends, il y a des événements parce qu'il y a des contrats télé juteux à la clé. Mm-hmm. Et donc, on programme 40-45 événements par an. Je pense notamment à l'UFC et on s'y tient. Et de plus en plus, hein, avec la légalisation du MMA en France, eh ben, les organisateurs français, alors tous ceux déjà qui officiaient à l'époque dans les règles du Pancras, eh ben, ont switché vers le MMA et organisent de plus en plus d'événements sous l'égide bien sûr de la fédération, mais dans les règles du MMA, on a des cages qui pullulent un peu partout en France. Différents types de cages d'ailleurs, hein, alors toutes doivent être réglementées, autorisées par la fédération, mais à côté de ça, on a le droit d'avoir une cage ronde, on a le droit d'avoir des... On n'est pas sur un grand format de cage, et lorsqu'on va voir les catégories lourdes, hein, je vous rappelle, on n'a pas de poids lourd inscrit sur cette compétition cette année, mais par contre on aura des moins de 93 kg, donc catégorie light heavyweight, comme elle est appelée à l'UFC. Et en moins de 93 kg, on a quand même des beaux gabarits. Voilà, donc pour tous ces combattants amateurs, hein, c'est un peu le même
parcours que pour un combattant pro, la préparation en amont. Le jour de la compétition, il y a une pesée, bien sûr. Hein, si vous n'êtes pas au poids, ben, vous ne pouvez pas combattre dans votre catégorie. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe. Est-ce que le combattant est déporté vers la catégorie supérieure ou est-ce qu'il est tout simplement éliminé? Éliminé. Oui, effectivement, oui. Parce que tu sais qu'en Jiu-Jitsu, ça peut arriver. Vous arrivez à la compétition pour combattre en 84, vous êtes à 86, bah dites tant pis, je fais la catégorie supérieure. Mais c'est à vous risquer péril. Moi, j'ai eu justement le risque de rater la pesée au dernier championnat de France. J'étais à 200 grammes près. Ils m'ont dit, si tu n'es pas au poids, tu es disqualifié. Donc, disqualifié, ouais, voilà. Ça rigole pas. Et oui, en boxe anglaise, c'est la même chose. Hein. Généralement, quand on ne fait pas le poids à la pesée, on nous laisse une heure de temps, ouais, pour pouvoir faire le poids. Donc, il m'est arrivé de faire une heure de corde en doudoune pour perdre 800 grammes. Ah, 800 grammes, c'est beaucoup. Hein. 200 grammes, encore, je me dis, ça doit être possible. Non, Mais tu perds non seulement du poids, mais en plus de l'énergie, tu vois, pour le, ouais, parce qu'on combat le jour même, nous, en boxe anglaise. Ouais. C'est pas... En amateur aussi, hein, MMA amateur, ils se sont pesés ce matin. Oui, il a, ouais, pesé le jour même, contrairement au MMA professionnel, voilà, où il a pesé la veille. Et donc là, on peut supposer que les combattants sont quasiment au poids auquel ils ont été pesés. Ouais. C'est les combattants, ça. Là, en l'occurrence, on a un combat féminin dans la catégorie, si je ne dis pas de bêtises, moins de 52. C'est ça. Donc la catégorie straw weight, les poids paille. Mm-hmm. La catégorie à l'UFC de Weili Zhang, oui, et de Rose Namajunas, qui décide de monter de catégorie pour affronter justement notre française Manon Fiorro. C'est ça. À Paris le 2 septembre. D'ailleurs, je vous invite, hein, si. En fait, je vous invite à prendre vos places, mais en fait, non. Non, c'est sold out. En 30 minutes, c'était sold out, Antoine. Il y a Antoine. Déjà plus de place. Il y a, ouais, peut-être des places encore disponibles pour le PFL Paris qui aura lieu fin septembre. Oui, avec Cédric Doumbé. Cédric Doumbé en tête d'affiche, exactement. Ouais. Et puis voilà, bah, pour les plus téméraires, je vous invite aussi à vous rendre à Londres le 22 juillet, parce qu'il y a un UFC avec Faresiam. Tout à fait, le Lyonnais. Et encore une fois, hein, le 28 juillet, ce sera Greg MMA, Grégory Bouchlaghem, qui combattra lui à l'Hexagone. Mais pour ceux qui n'ont pas eu de place pour l'UFC Paris, Antoine, on aura le plaisir de t'entendre sur RMC Sport. Oui. Ce sera diffusé. Alors moi, j'aurai le plaisir d'être en plus en bord de cage pour cette... Non, ça c'est un... Mm-hmm. J'avoue, c'est l'un des avantages de ce métier que j'apprécie. Donc là, Alexandra Marlier, hein, donc, vient de faire son entrée dans la cage. Elle est âgée de 34 ans. Donc il me semble que c'est son premier combat, hein, de MMA aujourd'hui. Elle a combattu en no-gi. Alors ce qui est fou, c'est que premier combat, elle pourrait devenir championne de France. Hein, oui. Parce que c'est la finale de cette catégorie à moins de 52 kilos. 52 kilos 200, très exactement. Elle nous vient de Toulouse, de la Tactical Fight Team, l'équipe de Johan Salvador. Johan Salvador qui a combattu d'ailleurs la semaine dernière au Cage Warriors sur la carte préliminaire. Mais face à elle, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, Delphine Benouich. Donc ça ne va pas être facile pour Alexandra. Delphine qui a plus d'expérience, qui a participé au premier championnat de France, hein, de MMA amateur en janvier 2022, qui avait terminé vice-championne de France. Elle avait perdu face à Mathilde Ashbrenner. Et ensuite, elle a intégré la Team France, messieurs, et elle a été troisième sur le podium européen. Ouais. Et troisième également sur le podium mondial, là, dernièrement. Exactement, c'était en septembre 2022 pour l'IMAF Europe et en février dernier, hein, pour les championnats du monde. Donc deux médailles de bronze à son actif. Elle représente, elle, la team NR Fight. On a reconnu d'ailleurs Nicolas Hoth dans son coin. Mm-hmm. Et Fight Industry aussi, Antoine. Et Fight Industry, ouais, également. Et puis elle s'est essayée aussi à la boxe anglaise, Delphine, cette saison. Elle a fait trois combats en boxe anglaise. Trois combats, trois victoires. Et il me semble qu'elle est ceinture bleue de lutte à livrer. Oui. Alors la différence, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, entre la lutte à livrer et le jiu-jitsu, et ben, Gabriel va nous l'expliquer. Alors la lutte à livrer, il n'y a pas de kimono. Le jiu-jitsu brésilien, il y a un kimono. Il y a aussi le jiu-jitsu brésilien, donc sans kimono, donc le no-gi. Mais après, on va dire que la lutte à livrer va quand même privilégier les phases debout, une très grosse lutte, comparé justement au jiu-jitsu brésilien où on peut tirer la garde un peu plus facilement. Alors il me semble, hein, qu'au niveau du style même, la lutte à livrer est quand même plus axée sur le finish et les soumissions. C'est un travail un peu plus agressif. Voilà, très agressif au sol, un sol très agressif. En général, on préfère aussi travailler depuis le dessus plutôt que sur son dos. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, on avait énormément de représentants de lutte à livrer dans le monde du MMA. On en a beaucoup moins maintenant parce que le sport, voilà, c'est unifié, on va dire. Et tout le monde pratique un peu tout. Et c'est parti pour ce combat. Ouais, et ça commence fort, hein, Delphine qui avance, c'est ça. Ouais, mais c'est bien ce que fait Alexandre, elle ne veut pas se laisser marcher dessus. Ça, c'est important aussi, hein, de gagner le respect de son adversaire dès le début.
ou d'imposer le respect à son adversaire. Parce que sinon, ce dernier ou cette dernière peut vous marcher dessus directement. C'est ça, il faut faire douter son adversaire dès le début. Là, c'est rentré ça pour Delphine. Donc Delphine en noir dans le coin rouge. Et ça envoie. Gros volume en pied-point. Belle combinaison. Alors j'aime bien ce travail, il est très agressif debout, ça me fait penser un peu du karaté Kyokushinkai, ce style de karaté où tout est porté sur l'attaque. Ah, parce qu'elle travaille sur des enchaînements, c'est minimum 3 coups qu'elle envoie Delphine c'est à ça, chaque fois. C'est ça, et en plus elle varie les zones de frappe. Ouais, en haut, en bas, au milieu. Et comme quoi, ouais. Même beau les clubs. Ouais, elle a un beau crochet gauche. Hein. Ah, wow, elle a touché là. Ouais. Elle a touché deux fois, le crochet large encore qui touche. Et elle va pas s'arrêter. Hein. Elle va pas s'arrêter, on est en train de la noyer littéralement sous une pluie de coups. L'arbitre est bien attentif. Et Nicolas, tu demandes de la vitesse, pas de la force. Ouais, ça rentre. Très beau bras arrière de Delphine. Qui arrive souvent en cross. Ah, des débuts difficiles pour Alexandra. Premier combat en amateur. Et oui, là, elle est face à une plus expérimentée. Un coup de genou au corps. Elle mixe, regardez. Là, elle commence à déborder son adversaire. Elle ne sait plus où donner de la tête, Alexandra. Alors, il faut savoir aussi qu'en amateur, l'arbitre aura tendance à arrêter le combat plus rapidement. Finalement, elle a une option, une possibilité d'amener le combat au sol, elle l'a fait. On peut voir qu'elle cherche à récupérer l'avant-bras. Elle a supprimé les appuis de son adversaire, regardez. Elle a supprimé un appui, elle a isolé le bras gauche, ça lui permet de frapper au visage. Et les frappes ne sont pas répondues. J'aime bien ce travail au sol en fait de la part de Delphine qui cherche pas forcément à améliorer tout de suite ses positions. Elle cherche à frapper, faire du dégât, un maximum de dégâts. Elle la remet sur le dos, elle continue son travail de démolition. Allez, il reste 15 secondes. Elle va terminer fort. Elle va terminer fort. Je pense qu'Alexandra va pouvoir tenir jusqu'à la fin du round. Attention à ce coup de genou qui était très limite. Ouais, pour moi, il était dans la tête aussi. Ce qui est interdit, bien sûr. On vous rappelle la règle des 3 points d'appui au sol. Un combattant ne peut pas frapper son adversaire du pied ou du genou à la tête s'il a 3 points d'appui au sol. Que ce soit en amateur ou en professionnel. Ouais, voilà. Donc, la règle ne change pas. Donc il faudra revoir ce coup de genou qui était limite. Mais d'ailleurs, Antoine, ça me fait penser au rising. C'est autorisé, non? Oui. Alors, il y a en fait, certaines organisations à travers le monde n'utilisent pas le règlement officiel IMAF, entre guillemets. Mais en fait, c'est les Américains qui ont mis en place ce règlement à l'origine. C'est d'ailleurs quand les frères Fertitta et Dana White ont récupéré l'UFC, ils ont commencé à bosser avec les fédérations, les commissions athlétiques aux États-Unis pour pouvoir mettre en place un règlement qui fait que les États autoriseraient la venue de l'UFC chez eux. Et ce règlement a été étoffé avec le temps. Beaucoup y ont mis leur grain de sel, notamment Big John McCarthy qui officie aujourd'hui au Bellator, qui a contribué énormément à l'instauration de tout ça. Et puis aujourd'hui, voilà, on a à la Fédération Française. Lorsqu'ils ont voulu bien sûr légaliser ce sport, on sait qu'en France tout est fédéral et tout est, passe par l'administratif. Donc il fallait faire un détail très précis de tout ce que ce sport comporte. Et le règlement de MMA, alors peu de gens le savent, mais c'est peut-être le règlement le plus complet qui soit. On a l'impression que tout est permis, en fait pas du tout. Il y a énormément c'est de choses codifié, qui sont interdites. Ouais. Et tout est écrit noir sur blanc. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Alors maintenant... Très bon premier round de Delphine, bien sûr, mais est-ce qu'elle va pouvoir tenir ce rythme jusqu'au bout? Maintenant, elle n'a qu'un combat à faire, donc elle peut se lâcher aussi. Avec, encore une fois, je vous rappelle, un titre de championne de France amateur à la clé. Alexandra qui remet quand même de l'agressivité. Ouais. Et encore une fois, Alexandra, c'est bien ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se laisser marcher dessus. Donc elle essaie de remiser, de ne pas trop reculer. Ah, mais regardez, elle est débordée, c'est terminé. Et l'arbitre qui l'a arrêté. Alors, il y a eu une salve déjà... À la fin du premier round, on s'est dit ça commence à être chaud. Et là, l'arbitre qui s'est dit non, c'est peut-être mieux pour elle. Elle a peut-être pris beaucoup de coups au premier round et il se dit que voilà. Et même là, il y a eu beaucoup de coups non répondus. Peut-être sa défense n'était pas très hermétique. Donc on reste en amateur, on privilégie l'intégrité physique. Par contre, impressionné par Delphine Benoist, 28 ans.
Et alors, pour, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait. On va attendre quand même le rendu du verdict. Voilà. Championne de France, hein. Championne de France. De MMA amateur, catégorie moins de 52 kilos. C'est ça. Donc, vice-championne de France l'année dernière, championne de France cette année. Une très nette progression hein, pour Delphine hein, sur exactement. Cette saison. Et ce qui est fou, c'est que donc, représentante de la team Ener Fight, donc l'équipe de Nicolas Régnier, une équipe à la base spécialisée dans l'auto livré, d'ailleurs, Naoufel Louati, arbitre et membre de la fédération française et également pratiquant d'auto livré, tout comme toi, hein, Gabriel. C'est ça. Vous êtes beaucoup en hein, France. Hein, ça se développe pas de mal. De plus en plus. Ouais. Je sais que Patricio Carlos, également hein, l'arbitre de la FMAF, est ceinture noire de lutte à livrer. D'ailleurs, il donne des cours de lutte à livrer en parallèle. J'ai pu voir aussi Johnny Frachet. Johnny Frachet mm-hmm. qui est présent également. Et donc, un club voilà, qui à la base était vraiment axé sur le sol, aujourd'hui produit des combattants qui sont forts en striking. C'est ça le monde du MMA d'aujourd'hui. On a revu quelques highlights de ce combat. La magnifique victoire de Delphine Benoist. Et c'était donc le deuxième combat de cette journée, la première finale, et on a une première championne de France de MMA amateur, Delphine Benoist de la Ener Fight. Et comme on vous l'expliquait hein, au début de ce programme, eh ben, on va se retrouver nous demain. C'est ça. Pour la suite de cette compétition avec les demi-finales et les finales, championnat de France de MMA amateur 2022-2023. C'est ça. Donc on se retrouve pour une vingtaine de combats demain en espérant qu'il n'y ait pas d'autres forfaits ou annulations. Ouais. Ça commencera dès midi, nous serons en live sur voilà. cette même chaîne. Les combats qui d'ailleurs se dérouleront sur deux cages, hein, il tout me à semble, fait au Antoine. Début. Et on aura les finales réunies sur la cage numéro 1. Exactement. Voilà donc Delphine Benoist, championne de France. Alexandra Marlier, vice-championne de France de MMA amateur. Merci Cynthia pour cette première journée de compétition. Merci Gabriel également. Merci à vous. Merci messieurs, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour la suite de cette compétition.